voici Cal Kevy. Alors Cal Kevy, on l'a bien connu dans l'ouest de la France parce qu'il a fait plusieurs saisons La Monte au Haras National du Vendanger, après avoir débuté sa carrière au Pain, au Haras. Et le voici, et il a été très demandé hein, par les gens du Centre-Est, et les gens de l'ouest l'ont lâché par esprit de pure bonté et de fraternité avec leurs longs vieux et les amis de l'est de du Centre-Est de la France. Cal Kevy, cheval très populaire, c'est un cheval qui saillissait entre 80 et 100 juments par an, hein, quand même au lieu d'Angers. Le seul fils de Cagliazzi à faire la monte en France. Un cheval qui avait une énergie, un punch extraordinaire. Vous vous souvenez tous de cette performance extraordinaire qu'il a produite dans le Grand Prix de Paris. Alors qu'il était quasiment par terre, le nez par terre, le genou au sol, Christophe Soumillon s'accrochant à ses oreilles, il avait trébuché dans la fausse ligne droite, il avait perdu toute chance. Et il est revenu grâce à un effort extraordinaire, s'imposer et crucifié sur le poteau chat de mer qui s'éteignait alors comme un mégot dans une panne de Guinness. Voici Cal Kevy, grand champion, il s'est blessé très grièvement ensuite lors d'un travail préparant à Maison Lafitte, corde à gauche, dans le tournant. On a cru qu'il était mort ce jour-là, et il a réussi à être immobilisé pendant plusieurs mois et à se nourrir quand même, à survivre et à devenir un étalon aujourd'hui confirmé tant sur l'obstacle, ça on pouvait s'y attendre puisqu'il a donné plusieurs vainqueurs de liste d'automne, et Valkevi, Octoyou tout récemment, réellement Verrieven, mais aussi en plat puisque son fils Rolex Borget s'est imposé dans le prix de Lavre à Longchamp cette année. Oui, j'ai bien dit Longchamp. Voilà pour Valkevi qui fera la monte cette année au Haras de Trébanche chez Pierrick Pouzol.